commissariat de Mazatoire, ils ont assassiné au CAI, et ils ont arrêté, ils ont demandé kidnapper, etc. Donc, le professeur ça qui a demandé pour aller préparer le cas et lundi, qui, dans l'école la même, dans son bal, et le professeur Estache, qui mourit, c'est une situation terrible. Côté gang à faire et défaire, gang à col comme gang à sabat à faire et défaire, que les populations prennent un sandwich et la donne, la clôture, c'est ça, et la bonne population à tout, par rapport à ce qui a passé là, il faut qu'il réduise les vigilances et il faut qu'il renforce le mouvement de population dans tout le pays, il faut que le mouvement soulèvement populaire soit renforcé et nous arriver dans la phase. Et des officiers civils là, je ça fait déjà dans plusieurs côtés, pour que rapidement nous jouions d'Adi et une porte de sortie dans la crise de là, et bien que le pays a démarré l'école qui a ouvert correctement. Dernier point, c'est pour une question d'occupation que nous avons, les États-Unis, à faire pile en compte, il y a viré par ce là dans plusieurs pays, regardez, ce qu'a joué d'Adi, ils ont joué pour rentrer, mais griffes. Ils font dans notre pays de ça et nous prenons note de plusieurs organisations aux États-Unis et Canada qui déjà avaient écrit, Trudeau pour dire que dans pas un abordage criminalité de la côte d'Haïti, nous avons de la donne. Donc, parce que nous avons encouragé que notre organisation écrit et continue à faire pression pour empêcher que. Criminels sur le plan international, a venu renforcer les criminels politiques pour le pays à la plus et pour le toujours. Sous le même point, nous avons remarqué quelque temps que il y a un problème sérieux qui posait. Quand les gens ont pu dépasser ces deux mois, ils ont pu avoir votre école. Et il y a un acteur qui a parlé de questions ça, qui a proposé des choses sur lui. Et il y a un qui a dit qu'il faut l'école à recouvrir. Et que les gens, que les groupes de citoyens même, qui ont des initiatives pour l'école à l'ouvrir, sont des bagages. Que gagner des citoyens qui comprennent que faut qu'ils aient une participation pour l'école à l'ouvrir. Donc, c'est ça, et nous l'ouvrons notre. Mais nous disons que les gens qui ont des capacités là, ils ont des questions pour nous poser. Qui instance qui placer pour planifier? Préparer en premier question de l'école. Est-ce que c'est les citoyens en particulier, chaque grand citoyen en particulier, chaque citoyen, ou bien l'État, le ministère de l'Éducation nationale, qui est responsable pour préparer l'entrée des classes? Deuxième question que l'on a posée, nous connaissons que l'école a été renouvelée le 5 septembre, il parle de oui, c'est parce qu'il y a un ensemble de problèmes qui est en deux systèmes même et qui est en deux systèmes même, qui a empêché que l'école a renouvelée. Et les syndicats sont obligés de reporter pour le 3 octobre. Tout le monde peut imaginer que de 5 octobre à 3 octobre, le gouvernement de facto va débrouiller pour résoudre le problème de Silaïo et bien que l'école est en train d'ouvrir le 6 septembre. Et pas de problème, c'est un problème. Le professeur, il est doué, il va payer. Le professeur a travaillé qualifié, qui va être la domination. Et le professeur a payé chaque 58 ou bien 59, 60 mois. Assurance, il a touché et que. Vous ne pouvez pas recevoir aucun service pour lui. Question 500 étudiants, école, ancienne école normale, de l'autre côté encore, il y a qui travaillent, qui va toucher, etc. Il y a un latrier problème en dossier d'éducation hein, et que tu as supposé gagner une solution pour toi même avant, c'est 3 octobre qui va voter. Et problème insécurité, hein, problème la vie chère. Hein, problème kidnapping, non? Etc. Ce sont des problèmes qui étaient déjà bloqués dans le président de classe le 5 septembre. Les 3 autres, avant d'arriver dans le 5 septembre, non? Le gouvernement criminel, là, pour les sur criminels, pour augmenter le gaz là, plus que doublé. Et il va y avoir une population de 128% qui soulevait colère population, hein? Qui fait que depuis la Sahara, il y a une évolution. Qui donc? Ça nous a remarqué. L'école n'a pas qu'à ouvrir 3 octobre, 5 septembre, parce que tu as des problèmes qui sont posés, qui sont des solutions. Et l'arrivée 5 octobre, nous pensons que 3 octobre, le gouvernement a quitté Fongean, il va Fongean. Au contraire, au lieu de Fongean, ce sont des décisions criminelles qui viennent empirer la situation, net alcoolée. Et depuis là, la situation va s'empirer.
question la poser tout le monde. Je me dis, hein, si tu es comme la première fois que tu as ouvert le 3, le 6 septembre, et qu'il est empiré le 5 octobre, est-ce que je nous dis, hein, nous sommes le 4 novembre, est-ce qu'ils ont résolu à 50%, à 20%, à 10%, à 5%, puis est-ce qu'ils ont empiré? C'est question de poser tout le monde. Maintenant, est-ce que il y a des conditions minimales qui réunissent pour l'école à l'ouvrir? Parce que, je veux dire, moi-même, mes petits mouns, qui ont bandé pour l'école, si ce n'est pas ma bandé, papa, qui a l'école à l'ouvrir? Il y a un peu de cliché à la caille. Il est clair, il faut l'école à l'ouvrir. Mais maintenant, dire qu'il faut l'école à l'ouvrir, simplement, c'est qu'on va poser des conditions minimales pour l'école à l'ouvrir, ce n'est pas démagogique. Ce n'est pas démagogique. Parce que l'école, il faut l'école à l'ouvrir, ce sont des démagogiques qui va gagner la donne. Si maintenant nous ne mettons pas pieds dans l'eau pour imposer l'État à créer conditions minimales pour l'école à l'ouvrir. Parce que, je vous dis, nous clair que nous avons une situation terrible que tout le monde est bouqué. Professeurs dans le privé, qui travaillent, il y a 4 à 6 mois, il va toucher. Donc, nous avons conseillé de misère déjà. Laisse ça, depuis 4 à 6 mois, je vais vous dire que ça a rien comme situation et catastrophique. Mais, nous avons dit tout par rapport. À ce que là, côté kidnapping, là, vient augmenter plus. Qu'est-ce que c'est la richesse, tout prix produit vient 3-4 fois plus. Prix coûte 3-4 fois plus. Est-ce que pour y aller, le cabinet de renouveler l'école, ça pose comme préalable? Un, il faut que le gaz là redescende, dans le prix et avant. Deux, il faut que j'ai qui fait pour que la richesse diminue et coûte sur qui 3-4 fois plus, il vient à ça et avant. Trois, question kidnapping qui vient renforcer. Parce que nous, ben, pas que kidnapping, laissez-moi peuple pour la rue, bloquer la rue. Mais depuis qu'il y a été bloqué, c'est 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 cas de kidnapping par jour. Et nous apprenons qu'on a une question qui est liée avec eux. M. Gangyo et M. Tetemoun, le gars, non, pas de choses, non, toujours, sous quoi faire, sous bouton, plus le côté, mais des antennes pour kidnapper. Quand il y a l'air, quand il y a là, il y a une plus active pour kidnapper et qui mettent dans l'école pour l'ouvrir. Si vous êtes là, qui garantit la sécurité que vous gagnez, les gens sortir à l'école, vous retourner. Et deuxièmement, vous avez pile pour vous dire, la situation aggravée, Canara, Côte Bouquet, La Saline, Matissan, etc., et Pernier, etc. Est-ce que si vous êtes il n'y a pas de petit monde qui doit l'école là. C'est ça qui est l'école. Donc, je pense que l'important pour l'école est ouvrir. Et 4 professeurs qui sont privés, qui va toucher là, l'État doit considérer et dit que l'école doit considérer 4 professeurs là parce que nous avons une situation de l'enfer économique, etc. Mais, ceci dit, nous ne pouvons pas dire que l'école doit ouvrir sans que nous ne poser problème. Conditions préalables qui veulent réunir. Sans ça, il nous a demandé tout acteur, tout le monde qui va sous bluff, dans son bagogie, qui veut l'école à l'ouvrir, que vous n'avez pas une balance là, pour permettre que nous gagnions les conditions minimales qui réunissent. Mais prenez une balance pour que des gaz dans le pompier, et gaz à retourner dans le pompier, mais prenez une balance, la balance de mobilisation. Pour que nous gagnions, un gouvernement qui a garanti la sécurité de Timounio, la sécurité des élèves, la sécurité des parents, la sécurité des professeurs, la sécurité des directeurs, la sécurité de la prière. Donc, si nous n'avons pas de l'école ouverte et que nous avons posé ça comme condition minimale, et que nous avons dit que l'école ouverte n'a pas de condition, nous pensons que nous avons été à la boucherie. Nous avons sacrifié hier, côté professeur Eustache, qui est dans l'école du salut, il y aurait l'aile pour la préparer. Et réserver les classes pour lundi 7. Et puis, il va tout la cali. On bat dans la tête et je dis, il est en mode. Combien de professeurs est-ce que ça en mode à partir de lundi 7 là, si la 10 n'a pas de ça, on va aller pour l'école Louis. Et hier tout, la zone est bout de côté, on peut le kidnapping. Et puis, on dit que nous avons ça parce qu'il est que M. Gangyo a éparpillé des antennes, faire le cali. Dans pile zone, dans le quartier, justement, pour les assises, pour que côté de kidnapping. Maintenant, si vous avez un gang qui a encouragé le kidnapping et qui va gagner aucun plan pour combattre le kidnapping, combattre la sécurité, et maintenant, vous voulez mettre des milliers de gens dans la rue, vous avez plus d'adis gibier pour vous empêcher. Je pense que faut nous réfléchir à ça. Faut que l'école ouvre, c'est clair, mais faut
tout le monde qui déclare vite parce que la pédagogie doit être par rapport à la balance. Pour que ça doit décréter 11 semaines de mobilisation pour l'école de l'ouvrir, pour faire pression pour se réunir. Il y a des gens qui ont des téléphones, ils ont voyé monter, mais ils ne peuvent pas plus de balance. Ils ont pris de balance pour permettre que gagner des conditions minimales de réunir pour garantir que si vous êtes à l'école, pour rester à l'école, avec un minimum de qui est-tu, parce qu'on connaît que le problème qui fait. Donc, l'école là, vous pouvez ouvrir, mais il faut que vous puissiez ouvrir. Et même quand vous êtes par exemple, c'est mal, ils ont dit que des motocyclistes qui ont fait un PC 50 gouttes, un PC 50 gouttes. Alors, le motocycliste qui a acheté gaz, $500, $700, pendant combien de temps il va porter professeur et 50 gouttes, et 50 gouttes. Pendant combien de temps qui ça va bien comme la possibilité pour le poser fort comme ça. Je pense que faut nous poser cette question, ça y est, faut les politiques comme ça, à savoir, faut pas parler des écoles de l'ouvri. Et ce n'est pas ça, d'accord. Supposons que quelqu'un comme ça, t'as pour le podium, comme le cas de podium, parmi les élèves. Deux, bien les tafils et tout, combien de jours, les élèves, vous avez dit, on va vivre parce qu'on va être comme trois, combien, qui type d'élèves qui a fini? C'est l'élève par au game d'Endé, parce qu'il m'aide. Et bien des enfants qui devant porter l'école, devant classe là, quand il a sorti là, il a bien meilleur pour qu'il garantisse. Parce que, faut que cette division, nous devons gagner l'école et il faut que nous bêtions par le bazar pour gagner l'école. Parce que nous devons gagner l'école là. Vous dites que le pays gagne la guerre, gagne l'école. Parce qu'il craint gagner l'école. Oui, il craint gagner l'école. Il craint pour l'État qui prend mesure pour l'école là qu'a fait. Deuxièmement, dans la guerre, qui est loin qui est la guerre là-haut, là, c'est pas qu'à permettre à dire qu'il y a des problèmes dans l'école, non. Si à dire dans l'école, il y a des problèmes, oui. Gagnez au lieu de dire, il y a un cas tiré de côté. Et dans les jeunes filles, nous avons le cas, plusieurs barres tombées. C'est quand elles ouvrent, dans le mois de septembre, il y a plusieurs morts dans les jeunes filles. Quand les barres tombées, qu'est-ce que les jeunes filles, nous sommes partis dans la mort, tellement de barres tombées là. Donc, monsieur Gagnon n'a pas gagné aucune loi respectée. Donc, c'est que Haïti, plus. Nos situations de guerre qui nous créent, parce que il y a des règles qui gèrent les questions comment guerre vous faites, il ne se passe pas des règles. Donc c'est gang à col, gang à cravate qui va gagner aucune règle respectée dans la question de la guerre avec le peuple. Donc parce que faut que nous découvrions ça pour nous dire que l'école a doit ouvrir pour tout le monde qui bouquait à l'école, mais il faut que nous supprimions les règles.